Good morgen, Alevi, Daniel Tusra, aujourd'hui, les Lunishmat Yaakov, Ben Aïcha et Richard, Aaron, Ben Fortuné, Mazal, ainsi que les Refouat, Ranale, Abad Gidel, Deborah, Sarah, Bad Nechama, et Efat, Bad Sarah, Vitor, Charcot, Israël, si vous savez, vous aussi, vous dites, j'aime tout le monde, cher collègue de la Sacrée Éternelle. Nous étions Messechet Psachim, Perek, Yud, Mishnah Vav, Adechan, Hu, Omer, Bet Shaman, Omrim, Ad Em, Abadim, Semecha, ou Bet Yedel, Omrim, Ad Chalamish, Lemay, Nomay, Vechotem, Big Ula, Rabbi Trafon Omer, Asher Galano Vegal et Avotenu Memitzrayim, Velo Aya Chotem. Rabbi Akiva Omer, Ken Hashem Elokeinu, Veloke Avotenu Yagienu, Le Moadim, Medergalim, Achraim, Abayim, Elifatim, Shalom, Semechim Bevinan Eirach, Vesasim Bavodatach, Bavodatecha, Venochal Hashem Mina Zevachim, Mina Psachim, Vechule, Ad Baruch Ata Hashem, Gaal Yisrael. Nave, vu dans la Mishnah précédente, fin de la Mishnah précédente, où on a vu le Seder de la Haggadah, tout ce qu'il fallait dire, les Psukim, les 4 Psukim de Rami Yehuda David, les expliquer, Rabban Gamliel qui nous avait dit de dire Pessah Matzah Maror, et une fois qu'on avait fini, alors on disait, on levait le verre, et il fallait dire que, il fallait dire ensuite comment c'était dit, les Fikach, maintenant on avait mis l'Odot, les Halel, les Shabeach, il faut qu'on glorifie Hachem et qu'on le loue et qu'on le remercie. Et Venomar Lefanav, Alléluia, et on dira devant lui, Alléluia, Daïnou, c'est-à-dire on va le louer, le glorifier en lui disant le Hallel. Et donc du coup, c'est pas juste que tu dis qu'on le Venomar Lefanav, Alléluia, tu dois dire maintenant Venomar Lefanav, Alléluia, et donc on commence à dire le Hallel. Maintenant, une chose de sûre, c'est qu'il ne faut pas finir le Hallel tout de suite, on va expliquer après plus dans les détails. Mais il va falloir couper le Hallel. On dira un petit peu avant le repas, on mange et on finit le repas, et après le repas, on continue la suite du Hallel. Et la question maintenant qu'on a, elle est de savoir à combien on débute le Hallel. Le premier paragraphe ou les deux premiers paragraphes? On a l'usage de suivre l'avis de Beth Hillel qui nous dit comme paragraphe, deux paragraphes comme nous enseigne la Mishnah tout de suite, Adéchan Omer, jusqu'à où devra-t-il dire le Hallel? C'est le dernier mot de la phrase pour la Mishnah précédente. Mais Nomar Lefanav, Alléluia. Adechan Omer, jusqu'où il devrait dire maintenant le Hallel. Bet Shamay Omrim, Ad Em Abanim Semecha. Bet Hillel nous dit jusqu'à Em Abanim Semecha. Em Abanim Semecha, Alléluia. Le dernier paragraphe, le premier paragraphe uniquement. Et au Bet Hillel Omrim, ça c'est David Bet Shamay, donc Bet Hillel nous enseigne Ad Chalamish Lemay Nomaim, le deuxième paragraphe. On dit les deux premiers paragraphes, en fait on dit aussi Betset, Israël, Bim Israël. Deux petits points importants, à savoir d'abord pourquoi est-ce qu'on finirait pas tout le Hallel tout de suite, si déjà, ben Omar, Alfana, Alléluia, ben dit tout le Hallel, pourquoi tu le coupes en deux? Pourquoi ne pas dire tout d'un coup? Ça, il y a un Yerushalmi, non, il y a un Tiferet Israël qui rapporte. C'est Tiferet Israël et Tiferet Israël qui rapporte que, il y a une règle à Pessah. Manger vite, il ne faut plus trop traîner. Il faut manger vite. C'est précisé ici par rapport aux enfants. Alors, il fait allusion à la Gemara de Mechatfin et Tamatzot, c'était une des interprétations qu'il faut se dépêcher pour manger le repas. Comme ça, les enfants ne sautent pas, c'est important qu'ils soient présents pour tous ces dires aussi. Il y a. D'accord, à part ça, je pense qu'il faut aussi rajouter le fait qu'il fallait finir de manger avant Khatzot, le Korban Pessah aussi. Ça, c'est discuté, on l'a déjà vu, mais. À la fin, on dirait qu'il faut le finir avant Khatzot. D'accord? Donc, tu dis pas tout le Hallel, tu commences un petit peu, après tu mangeras pas, puis tu continueras le Hallel ensuite. Maintenant, par rapport à la Machloket Benjamin et Beth Hillel, est-ce qu'il faut dire juste un paragraphe ou deux paragraphes? Alors là, c'est le Melech Shlomo qui nous rapporte le Yerushalmi, qui nous dévoile quelques petits mots sur la question. À savoir, concrètement, Am Israël n'a été libéré qu'à partir de Khatzot, les Égyptiens, il y a eu le gros coup, les Égyptiens ont poussé les hurlements, leurs premiers-nés sont morts, ils sont sortis, ils ont dit, on est sale, sortez. Et nous, on leur a dit, non, on sort que le lendemain. Entre parenthèses, pour moi, c'est une évidence qu'ils sont sortis le lendemain matin. Et là, j'ai découvert dans le Melech Shlomo qu'apparemment, il parle que c'est Bechatzi Ayom, au milieu de la journée. Je ne sais pas, ça demande un éclaircissement pour moi. Est-ce qu'il y a une discussion, ou est-ce que j'avais une erreur depuis très longtemps? Je ne sais pas. De toute façon, je vais vérifier. Et donc, ils sont pas sortis tout de suite. Donc, pendant qu'on est en train de dire le Hallel, là, on est encore avant le repas,
dans la première partie de la première partie. Si vous coupez la nuit en deux, Chazot Laila, il faut finir de céder, au moins finir de manger, même de manger la ficomane, mais qui faisait même lire le Hallel à ce moment-là. Mais en tout cas, on est encore assez loin de la libération, de l'heure de la libération où les Égyptiens ont dit au Bnei Israël, sortez. Du coup, Beth Shammai dit, tu dis pas tout de suite Beth Set Israël. Tu patientes, tu diras Beth Set Israël après. D'accord? Et Beth Hillel, alors là, c'est moins précisé l'histoire. Beth Hillel, il est juste directeur qu'à Beth Shammai, il dit, mais de toute façon, on n'est pas sorti tout de suite à Chatzot, qu'est-ce que ça peut faire? Peut-être qu'elle est traînée jusqu'au lendemain aussi. Non, elle a ben, tu vas dire tout de suite, alors tu dis tout de suite, tu dis les deux premiers chapitres. C'est pas tellement précisé pourquoi tu dis les deux chapitres. Mais logiquement, puisque tu viens louer Hachem, leur rendre la gloire sur le fait que nous avons sorti d'Égypte, alors dit le paragraphe qui contient le Betzet Israël de Mitzrayim, qui contient, qui inclut toute la sortie d'Égypte. D'accord? Voilà pour la première partie. Deuxième partie maintenant, une fois qu'on finit les deux premiers, ou premier ou deuxième, les deux premiers paragraphes du Hallel, alors maintenant, on revit un phénomène. Et non, Vechotem Begeoula. Maintenant, il faut que tu fasses une bracha. Tu vas conclure en disant la Geoula, la bracha de la Geoula. Ce que nous on dit dans la Gada, une fois qu'on a fini, on lève le verre, on prend la chaîne, et l'okenu manachona, machin, galanou, vechoulet, comme on va dans le sud de Michelin. Les Ashkenaz qui disent une deuxième fois pour le Père Geffen, les Sfarad qui disent pas, tout ça, c'est, ça démarre à partir d'une grande discussion entre les Rishonim, tout simplement. Chacun a été posé selon ses rabbinim. Et donc, il va falloir dire une bracha sur la Geoula. Rabbi Tarfon Omer, alors maintenant, quel bracha il va dire? Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon explique, il n'y a pas trois avis, il y a deux avis. Un, la Mishnah commence à donner la généralité, Vechotem et Geoula, après la Mishnah commence à être détaillée. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dira, qu'est-ce que tu vas dire? Asher Geal à nous, le Geal est à votre, nous, mais Mitzrayim, Velo Ayachotem. Qu'Hachem nous a délivré, il a délivré nos ancêtres d'Égypte, et c'est tout. Et il ne disait aucune conclusion, c'est-à-dire c'était Tchilchak. Il a fini le Hallel. Baruch ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Galanu Megalat Avotenu Mitzrayim, et il boit à coup des... sans aucune chatine. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva pense pas comme ça. Si déjà tu remercies, c'est une règle, c'est pas précisé la motivation, mais je pense que c'est une règle en rapport avec ce qu'on avait déjà lu dans ma certaine brachot, que. On n'a pas vu ensemble, par contre, on a jamais fait ensemble, que quand tu remercies sur le passé, tu peux aussi sur le futur. Donc tu remercies Hachem qui nous a délivré, tu demandes à Hachem de délivrer nous aussi. C'est l'occasion. Donc, Ken, Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Ken, Hachem, Elokeinu, ainsi Hachem, notre Dieu, Veloke, Avotenu, et le Dieu de nos pères, de nos pères. Yagi'enu le Moadim, Velirgalim, Acharim, Abaim, Likratenu, Shalom, qui nous fasse arriver au grand rendez-vous et aux grandes fêtes, autres. Qui vont venir sur nous joyeux dans la joie, dans la paix. Smechim bevinyan irach vesasim bavodatar. Heureux, réjouis par la reconstruction de ta ville. Vesasim bavodatar, on va traduire par enthousiasmé par ta voda. La différence entre Sasson et Simcha, il y a très longtemps, une quinzaine d'années, j'avais appris un petit peu sur le commandement. Ce que je me souviens, peut-être que je me souviens, mais du calendrier, il y en a un, c'est le fait d'être profondément joyeux, et ça c'est la simcha. Et ça sonne, c'est l'enthousiasme d'agir avec feu. Ça rentre parfaitement dans les mots ici. Smechim et Vinyanera, tu as construit que je suis joyeux, j'ai la simcha interne, et en plus ça sime la vodatra, et on est enthousiasmé, on a le feu, on agit avec feu pour tout servir. D'accord? Toujours pour les misvotes, on fait les misvotes, mais ça sonne. Ça me crée à la terre, comme ça chale au val. J'ai l'enthousiasme, je cours, je veux. D'accord? Venochal, et donc une fois qu'on a dit que tu vas reconstruire ta ville, et on viendra dans, Venochal, Sham, Minas Vachim, ou Minas Psachim, afin que l'on puisse manger là-bas des corbanotes et des psachim. C'est la corbanote, c'est la corban Chagiga, et psachim, c'est le corban Pessah. D'accord? Le soir de Pessah, il fallait manger le corban Chagiga, puis après le corban Pessah. Et on conclut ensuite, puisque maintenant tu es, c'est une grande règle, lorsqu'on voit une grande, une longue bracha, alors il va falloir faire une dernière petite conclusion à la fin, et on va continuer en disant Baruch Ata Hashem, Gal Israël, béni sois-tu Hashem, qui a délivré Israël. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine.